مجلس ملی فرانسه، کنفرانس پارلمانی در تالار ویکتور هوگو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران. ششم آبان 93، 28 اکتبر 2014. مریم رجوی. بحران منطقه ناشی از جنایت‌های رژیم ایران در عراق و سوریه است و تنها با خلع ید از این رژیم پایان می‌یابد. نخست وزیر ادیت کرسون. کریستیان کرت، نایب رئیس فراکسیون حزب اومپه در مجلس ملی فرانسه و معاون حزب. نمایندگان مجلس ملی فرانسه: ژان لاسال، فیلیپ گوسلان از حزب اومپه، دومینیک لوفور از حزب سوسیالیست. نمایندگان مجلس ملی فرانسه: میشل ترو از حزب اومپه، آندر شاسین رئیس گروه چپهای دموکرات و جمهوریخواه، ژرار شاراس از حزب رادیکال چپ، سناتور آلن نری، سناتور ژان پیر میشل، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس. نخست وزیر سید احمد قزالی. استاندار ایو بونه، رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه. پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین. ژیل پاروئل، رئیس پیشین کانون وکلای استان والدواز. و طاهر بومدرا، مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل. Madame la Présidente, cher Jean-Pierre, chers collègues élus, peut-être quelques mots un peu de conclusion de tous ces propos qui ont été tenus. Moi, je voudrais faire deux réflexions. D'abord, la première, c'est sur la place des femmes dans la société et dans la société qui se bat et dans la société qui résiste. Il ne vous a pas échappé que c'est une toute frêle jeune femme qui a obtenu le prix Nobel de la paix cette année. Et chaque fois qu'il y a des combats pour la liberté, pour l'égalité, on se rend compte, comme avec vous, Madame la Présidente, que les femmes sont aux avant-postes de ces combats, que les femmes, avec courage, portent ce sentiment à travers le monde, à travers notre société, qu'il faut que la société soit plus égalitaire, qu'elle soit plus libre, qu'elle soit plus noble, qu'elle soit plus belle. Et c'est vous, les femmes, qui le portez. Et je crois que ce soir, votre propos, ce que vous nous avez montré, votre combat, témoigne de cette place extraordinaire des femmes dans la société. Alors ici, en France, c'est d'autres combats, bien sûr, que les femmes mènent. Vous, c'est un combat jour après jour. C'est un combat dans la difficulté, c'est un combat parfois contre le crime, on le voit bien. Eh bien, je crois que quelque part, madame, par votre présence, par votre témoignage, vous donnez courage à une société qui n'est pas facile, qui pourtant est une très belle société, parce que ce 21e siècle est un siècle formidable, mais c'est un siècle tragique parfois. Eh bien, la place des femmes est essentielle, on le voit ce soir, et sachez que si ça et là, on applaudit nos propos, en réalité, c'est vous ce soir, madame, qu'il faut qu'on applaudisse. La deuxième réflexion, c'est la place des parlementaires dans ce combat, les parlementaires français. Moi, j'ai beaucoup d'honneur à me retrouver avec vous, au milieu de vous, parce que je crois que votre combat est juste, on l'a dit, je ne vais pas y revenir, c'est un combat juste. Mais notre présence de parlementaires, c'est pas seulement nous qui sommes là,
C'est le peuple de France à travers nous qui est là. Alors Jean Lassalle qui a traversé la France à pied récemment, qui a fait des kilomètres et des kilomètres, il est allé à la rencontre de la France. Ben Jean, je crois que tu es d'accord. Ce que nous faisons là, nous représentons le peuple de France, qui est un peuple de liberté. Et quand parfois j'entends dire que c'est un peuple qui peut être raciste et tout, non, c'est pas vrai. Le peuple de France, d'abord, il sait ce que c'est que la résistance, le peuple de France. C'est le peuple qui a porté la révolution, c'est le peuple qui porte la lumière de la liberté, qui l'a porté, qui continue à le porter. Ben nous, notre fierté de parlementaires, c'est de vous dire à vous, amis iraniens qui êtes dans la difficulté, le peuple de France, dans sa diversité, il est à vos côtés, à travers nous, parce que vous avez noté combien nous sommes différents à cette tribune. Socialistes, communistes, centristes, UMP, nous y, non inscrits. Nous sommes là pour vous dire votre combat est un juste combat. Parce que si jamais vous baissiez la garde, si nous baissions la garde, ça voudrait dire que partout à travers le monde, on laisse faire des choses qui sont intolérables. Alors ce soir, tout simplement, ce qu'on est venu vous dire ici, chez nous, à l'Assemblée nationale, temple de la démocratie française, on est venu vous dire on est à vos côtés parce qu'on vous comprend. On est à vos côtés parce qu'on vous soutient. On est à vos côtés parce que, quelque part, votre combat, c'est un combat des libertés à travers le monde entier. Merci de votre attention. Madame la Présidente du Conseil national de la Résistance, au Mola, d'Iran, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, très chers amis, il est très rare que je me sente heureux parce que j'accomplis quelque chose qui me semble important et qui me semble utile. Et c'est très exactement ce que je ressens ce moment avec vous, tellement j'ai l'impression que nos esprits, nos consciences, nos regards, nos intelligences et ce que nous ne savons pas sont en convergence et se rencontrent, alors que, au fond, il y a une demi-heure encore, je ne savais pas que cela se produirait. Comme André Chassaigne, je suis impressionné, Madame la Présidente. Par les amis, parce qu'ils sont devenus maintenant des amis, ils viennent entre le 101 et le 3 rue Aristide de Briand, inlassablement, jour après jour, à la tombée de la nuit, comme le petit matin, sans jamais déranger, en prenant toujours le temps de voir s'ils peuvent vous dire, parlez de votre cause, madame, et de celle de tous les amis, de tous les frères qui sont ici à vos côtés. Oui, il y a des moments dans la vie où on se sent heureux d'être un homme libre, et de voir dans les yeux et dans votre propre regard, si je peux m'exprimer ainsi, cette flamme incroyable de la volonté et de l'espoir. Jamais émoussé par plus de 50 ans de lutte contre deux tyrannies successives, et en particulier contre celle-ci qui est, il faut le dire, où que l'on aille à travers le monde, vécu comme un avilissement de ce que nous pouvons avoir de beau et de grand, nous, les êtres humains. C'est la raison pour laquelle je ne peux rien, mais je crois en la force des consciences, je crois en la conscience des peuples, et je crois que lorsque nos regards et nos forces s'unissent avec cette intensité-là, eh bien, la victoire est au bout. Je le souhaite en votre nom, en ceux qui sont tombés, vous m'avez monté les 120 000, c'est un ouvrage extraordinaire. Et je crois à ceux qui vont naître, à ceux qui naîtront, et à ceux qui pourront un jour magnifier votre histoire, votre civilisation, ce peuple exceptionnel, en liberté enfin. «
Quelques mots, chers amis, d'abord pour saluer votre présidente, mes respectueux hommages, madame, et puis saluer tout particulièrement, vous me le permettrez, l'ancien préfet Bonnet qui est prêt, ancien parlementaire de la Manche. Et la cause que vous défendez, c'est une cause qui est juste, d'une part, et elle nous concerne plus généralement tous. C'est pour ça que je voulais vous apporter un modeste témoignage ce soir après quelques interventions dans l'hémicycle. Mais vous avez, Madame la Présidente, de bons ambassadeurs. Ils ont été salués tout à l'heure. Je peux vous dire qu'ils ont du courage, de la détermination, de la constance, parce que parfois on traverse rapidement la rue de l'Université, la rue Aristide Briand, on s'engouffre rapidement, mais ils sont là, ils savent nous rattraper, un petit clin d'œil, un regard, un geste, et tout de suite, on a compris, vos ambassadeurs sont efficaces. Et c'est grâce à eux, et je le dis un peu en souriant, ce soir, mais il y a une date importante, et là je redeviens peut-être plus profond, c'est celle du 16 septembre, effectivement, qui a enfin levé une hypothèque et qui vous reconnaît comme un mouvement juste, comme un mouvement indispensable, comme un mouvement incontournable. Et je voudrais reprendre, puisque nous sommes dans le 70e anniversaire de la libération de la France, avec le débarquement, reprendre ce qui a été dit sur la résistance. Eh bien, Auvers est aujourd'hui le cœur de la résistance iranienne. C'est un cœur qui bat en France. Savez-vous qu'il y a 70 ans, un peu plus de 70 ans, le cœur de la Belgique battait à Sainte-Adresse, pendant, en Haute-Normandie, pendant 4 ans, l'ensemble du gouvernement belge a été en exil à Sainte-Adresse. Eh bien, vous me permettrez, entre Sainte-Adresse et Auvers, un peu de parallèle. Et aujourd'hui, vous êtes ici, chez vous, bien sûr, mais vous êtes en attente de la libération de votre pays. Eh bien, puissiez-vous rapidement, je l'espère, rejoindre le cœur historique de cet Iran éternel, le cœur historique de cet Iran à la culture si riche, si généreuse, et que cette résistance trouve enfin à se concrétiser. Oui, oui, réellement, tout ce qui nous unit nous grandit. Oui, tout ce qui nous unit nous grandit, et nous sommes heureux d'être unis avec vous ce soir. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues élus, après ces images terribles que nous venons de voir, je crois que nous pouvons tourner toutes nos pensées et adresser toutes nos félicitations et notre soutien au peuple iranien. Alors c'est vrai, le 16 septembre, la justice française a prononcé un non-lieu. C'est l'effondrement de ce dossier qui consacre la victoire de la justice et de la résistance, et l'échec de la campagne de diabolisation contre les moudjahidines du peuple d'Iran. Alors tout cela marque un succès pour toute l'humanité excédée par la tyrannie et l'intégrisme islamiste. C'est vrai que dans cette affaire, on a tenté d'instrumentaliser la justice française. Mais la justice française a montré qu'elle peut éviter de s'incliner devant des considérations politiques. Honneur au peuple iranien et honneur à la justice française. Le temps est venu que la politique, les services de renseignement, se soustrait à l'intoxication lancinante, persistante du régime des mollahs. Il est temps de faire preuve de fermeté, de démanteler en France et en Europe tous les réseaux des agents de ce régime et les sociétés écrans des Pasdaran. Le crime de ceux qui ont ouvert ce dossier vide dans un marchandage contre les mollahs pour démanteler la résistance. Ça ne se limite pas à avoir enfreint la loi, violé la justice ou abusé la justice et la police. Toutes les accusations contenues dans ce dossier, pendant 14 années contre la résistance iranienne en France, ont été annulées par cette décision de non-lieu. C'est donc une victoire de la justice
et c'est la victoire du peuple iranien. C'est, chers amis, une belle victoire qui va nous permettre, à nous qui sommes les soutiens du premier, des plus mauvais jours comme des meilleurs jours, de vous permettre de prendre un nouveau chemin, parce que c'est le chemin qui vous mène vers la liberté et la démocratie. Votre mouvement est le seul qui, pour l'Iran, présente une perspective de victoire. Il a à sa tête une femme charismatique, compétente, intelligente, qui va vous conduire à la victoire. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est le bonheur de fêter cette victoire. Et quand en plus c'est la victoire, c'est une double victoire. C'est la victoire du droit et de l'esprit de résistance. Et ce terrorisme terrible, inhumain, qui se masque de plus en plus sous les caricatures de la religion, ce terrorisme qui, on l'a vu sur ces images, est au comble de la barbarie, qui tente tous les jours d'enfouir tout espoir d'entendre la voix d'un islam modéré, d'un islam humain qui a compris la nécessité d'une distance entre la religion et les affaires d'État. C'est cet islam modéré que vous représentez avec le talent, l'obstination et le courage qu'on vous connaît, Madame la Présidente. En tant que maire du 1er arrondissement de Paris et en tant que co-président du comité des maires pour la défense des Ashrafiens, j'ai l'honneur, avec beaucoup d'entre vous, de soutenir tous ces efforts pour obtenir la protection internationale pour les résidents du camp Liberty. Nous, maires de France, nous soutenons votre combat pour l'amitié entre les peuples, pour le dialogue entre les religions, pour la défense des droits de l'homme et de la femme, bien sûr, et que nous poursuivons sans relâche notre soutien à votre lutte pour que la justice aille jusqu'au bout, pour que la justice soit rendue pour les résistants du camp Liberty et pour que le peuple iranien retrouve enfin sa liberté. Madame la Présidente Bayan Rajavi, Monsieur le Président du groupe national pour soutenir la résistance iranienne, Monsieur le Sénateur Michel, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires français qui se battent à vos côtés, qui se battent aux côtés de Madame la Présidente depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 13 ans. Je voudrais dire combien nous avons été heureux d'apprendre la décision qui vous a lavé de toute accusation injustifiable et injustifiée. Nous en sommes heureux parce que c'est le résultat d'un combat commun, d'un combat que vous avez su mener avec une force insoupçonnée et insoupçonnable. Et vous continuez à porter votre combat, qui est aussi notre combat, et nous irons, nous vous accompagnerons jusqu'à la victoire. Bien sûr, on a parlé des actes ignominieux qui se déroulent à l'heure actuelle à Téhéran. Cette attaque, ces attaques contre deux jeunes femmes, ces attaques contre l'humanité, contre l'humain en général, qui ne font que reproduire des attaques précédentes. Et je voudrais aussi, moi, rappeler qu'il y a, parmi tous ces gens qui ont lutté, des gens qui sont encore emprisonnés, qui ont été déplacés contre leur gré et qui sont emprisonnés dans un camp qui s'appelle Liberty. Un an après l'attaque du 1er septembre 2013, où 52 demandeurs d'asile ont été sauvagement assassinés au camp d'Ashraf en Irak par les forces irakiennes à la demande du régime iranien. Et sept pris en otage, dont six femmes, leur sœur reste toujours aussi fragile. Parce qu'ils ont été l'attaque de plusieurs attaques, de plusieurs agressions qui ont entraîné le décès de plusieurs personnes, d'une centaine de personnes, et surtout de 1300 blessés.
Quant aux droits fondamentaux et au traitement humanitaire qui sont dus à tout réfugié, eh bien, ses habitants n'y ont jamais eu droit. Ils ont toujours été confrontés en permanence aux problèmes des gros harcèlements inhumains, ceux concernant l'accès aux soins médicaux, les simples soins médicaux et aux prestations de services. Pas de liberté de circulation. Le gouvernement irakien a imposé pendant toutes ces années un blocus médical inhumain, provoquant la mort par manque de soins de nombreux résidents des camps d'Ashraf et de Liberty. À présent, la gestion quotidienne de ce camp, eh bien, elle est sous responsabilité d'agents affiliés au cabinet de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, des anciens dont certains ont été identifiés comme des éléments impliqués dans les massacres des deux camps. Sous leur supervision, les pressions qui ont été imposées aux résidents durant les trois derniers mois ont systématiquement augmenté, tels que le blocus médical, les interdictions à se faire livrer du carburant, c'est une chose aussi importante, et à bien d'autres besoins basiques. De même, les mesures répressives se sont aggravées. Notre comité parlementaire exhorte le nouveau gouvernement irakien de M. al-Abadi de respecter ses obligations dans le cadre du droit international et d'honorer les simples droits fondamentaux, dis-je, réfugiés du camp Liberty. Nous demandons également aux Nations Unies et au gouvernement américain de garantir ces droits, notamment pour prévenir toute agression nouvelle contre le camp Liberty, annuler toutes les restrictions sur les mesures de soi-disant protection du camp, inviter les Nations Unies à installer des observateurs permanents ainsi qu'une force de protection de casques bleus autour du camp et d'assurer la sécurité des réfugiés. Mettre fin à toutes les restrictions imposées aux résidences, les services médicaux, médicaments, l'utilisation aussi si besoin des hôpitaux, de même à fournir des traitements contre les maladies graves, et bien tout ça a toujours été refusé, il faut pouvoir l'autoriser. Permettre la fourniture aussi de carburant et une certaine logistique, et enfin de reconnaître le droit à la libre circulation des résidents. Il faut aussi faire en sorte que soient retirés de la gestion du camp tous les agents reconnus pour avoir participé aux assassinats et à la répression des résidents lors des massacres. Permettre sans attrition les enquêtes indépendantes menées par les Nations Unies sur les massacres du 1er septembre 2013. C'est pour toutes ces raisons que nous combattrons constamment à vos côtés, Madame la Présidente Rajavi, jusqu'à notre victoire, qui sera votre victoire, celle de la résistance iranienne, celle des Iraniens dans leur liberté et leur identité et le respect de leurs droits de simples humains. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Madame Rajavi, mes chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, chers amis, moi je vais essayer de rester sur un terrain plus diplomatique et celui de la Commission des Affaires étrangères, puisque j'en suis membre, en même temps que je suis membre du bureau du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Les questions qui touchent au Moyen-Orient sont très souvent évoquées dans notre commission, notamment l'Iran et ses tentatives de se doter de l'arme nucléaire, de l'Irak et la crise qui s'étale dans toute la région à travers la menace de l'État islamique, ou plutôt de Daesh, et de la Syrie où les troupes des Pasdaran iraniens et du Hezbollah sont omniprésentes. Pour ne rester qu'à la question iranienne, je constate que sur tous ces sujets, on s'abstient de se référer à une source importante que constitue le CNRI de Madame Rajavi, alors que nous savons que ce mouvement a été à l'origine de révélations importantes, autant sur les sites nucléaires clandestins en Iran que sur les ingérences de ce régime en Irak
et en Syrie et sur ce que l'on peut appeler l'exportation du terrorisme et de l'intégrisme islamique dans le monde. Est-ce la continuation de cette mise au ban injuste que d'autres orateurs ont évoquée et qui s'est terminée par un non-lieu ? Est-ce encore un gage à Téhéran pour ne pas provoquer les mollahs au pouvoir ? Il y a en tout cas une coïncidence qui me paraît intéressante à souligner. À quelques centaines de mètres d'ici même, la présidente des Affaires étrangères a reçu son homologue iranien, M. Alaeddin Bourougerdi, c'est bien cela. Or, voyons qui est M. Bourougerdi et ce qu'il représente. C'est le président de la Commission de sécurité nationale et des affaires étrangères de Majlis du régime iranien, c'est le Parlement. Il est à Paris avec une délégation depuis hier. C'est un ardent partisan et un proche du guide suprême Ali Khamenei. Bourougerdi contrôle ainsi deux commissions importantes du Majlis. Il a rencontré Bachar el-Assad comme émissaire du régime iranien à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, en août 2012, en septembre 2013, en février 2014 et encore en juin 2014, c'est très récent. Et sa fidélité au guide suprême l'a fait nommer au comité nucléaire du Conseil suprême de sécurité nationale, ce qui est d'autant plus cocasse que chacun sait désormais que du fait de l'Iran, le dossier nucléaire est totalement au point mort et que les Occidentaux qui attendaient des avancées notables n'en ont obtenu strictement aucune. Certes, la présidente de la Commission des Affaires étrangères a le droit de rencontrer qui elle souhaite. Mais je ne suis pas sûr que cette rencontre ait été opportune compte tenu du rôle détestable que joue l'Iran dans cette région et sur lequel se sont longuement exprimés les orateurs précédents. Je crois voir d'ailleurs une incompatibilité entre cette rencontre et la position officielle du gouvernement français telle qu'elle était rappelée par Laurent Fabius lorsque celui-ci mentionnait à propos du régime syrien ô combien soutenu par le régime des Mollahs, et je cite, « En Syrie, disait-il, c'est le régime de Bachar el-Assad qui a favorisé à dessein le développement de Daesh pour faire barrage aux modérés qui combattent dès lors deux barbaries, celle du régime et celle de Daesh. La Syrie n'a pas à choisir entre ces deux barbaries. Les crimes odieux de Daesh ne doivent pas faire oublier que le régime syrien, qui continue chaque jour de bombarder les populations civiles, est le principal responsable de la tragédie actuelle qui a fait 200 000 morts. À ce titre, il alimente l'extrémisme et le rejet de son propre peuple et ne peut en aucun cas représenter la Syrie de demain. Je me demande tout simplement si cela a été rappelé à l'hôte iranien qui a été reçu par notre commission des affaires étrangères. Mais je pense en tout cas que notre commission serait bien inspirée si elle voulait connaître la vérité sur la situation en Iran, sur la situation à Téhéran, telle que nous la voyons au travers des documentaires qui viennent de nous être présentés, et bien d'inviter la représentante du CNRI qui représente à nos yeux la seule alternative démocratique possible à la théocratie despotique au pouvoir en Iran, mais aussi une réponse adéquate à l'extrémisme islamiste qui prospère au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, cher Jean-Pierre, chers collègues, Monsieur le Vice-Président de l'Assemblée nationale, Christophe Sérun, qui est là présent, Mesdames et Messieurs. Alors, depuis sa création, le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, qui réunit toutes les familles politiques de cette Assemblée. Je salue là présent les députés de l'UDI et puis les députés non inscrits, dans la salle qui est là présent. Ce comité est engagé sur un combat simple, l'instauration d'une démocratie
en Iran l'instauration d'un état de droit. Cet engagement, nous le devons évidemment d'abord au peuple iranien, à ses hommes, à ses femmes, à cette jeunesse, parce que c'est d'abord elle aujourd'hui qui souffre et est victime de cette situation de non-droit en Iran. Et cela fait maintenant, Madame la Présidente, 21 ans que je me suis rendu dans votre beau pays. Il se trouve que j'avais à l'époque un camarade de promotion qui était premier secrétaire de l'ambassade. Et ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui, depuis alors près de 14 ans, supportaient la dictature théocratique. Nous sommes 21 ans plus tard et j'avais été frappé par la capacité de résilience du peuple iranien, cette volonté de combattre et de survivre. Donc cet engagement, nous leur devons, comme nous le devons à toutes celles et tous ceux qui résistent depuis le départ. Celles et ceux qui ont mené le combat contre le régime du Shah, qui l'ont continué depuis, toutes celles et ceux qui ont perdu et perdent la vie aujourd'hui pour ce combat. Donc je veux simplement, au nom de l'ensemble de nos collègues parlementaires, mon nom personnel, au nom également du président du groupe socialiste, Bruno Le Roux, qui vous avait accueilli ici lors de notre dernière rencontre et vous avez assuré que l'Assemblée nationale serait toujours ouverte aux militantes et militants de la démocratie et des droits de l'homme. Donc vous serez toujours ouverte. Je veux rappeler cet engagement constant, cet engagement renouvelé. Un engagement renouvelé que la situation actuelle renforce. Deux mots sur la situation actuelle. D'abord, la situation interne. Les images que vous nous avez montrées en sont un des multiples exemples. Ce que nous dit le rapporteur spécial de l'ONU sur le nombre d'exécutions depuis l'élection du président Rouhani, qui illustre que toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il est possible aujourd'hui de voir ce régime évoluer montrent que tout cela est vain et faux et que ces gens-là se trompent. Une situation dans un pays où les élections ne sont pas libres, où les journalistes ne sont pas libres et sont emprisonnés, où la liberté d'association, d'exercice d'une pratique politique ne sont pas libres. C'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et puis, c'est la situation de la région. Laisser à croire que l'Iran n'a aucune responsabilité dans la situation en Syrie et en Irak est une erreur importante. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous soutenons, au comité parlementaire pour un Iran démocratique, la position du gouvernement français qui a refusé que l'Iran participe à la réunion des États qui doivent aujourd'hui se mobiliser. Cela a été de mes prédécesseurs. Le régime iranien, par ses fondements même, a créé un contexte propice à la diffusion de ses idéologies. La manière dont il a joué la déstabilisation en Irak également. La manière dont il a soutenu le gouvernement de Bachar el-Assad, qui est l'autre grand responsable de la situation également. Donc, pour toutes ces raisons, nous devons garder cet engagement. Et le dernier point, Madame la Présidente, vous en avez parlé, parce qu'on en parle moins en ce moment, parce qu'effectivement, l'affaire Daesh est une affaire de grande actualité, mais le dossier nucléaire iranien n'est toujours pas réglé. Et c'est un dossier qui reste essentiel pour la paix du monde. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui nos demandes sont extrêmement simples et nos combats sont extrêmement simples. D'abord, continuer à batailler pour la reconnaissance de la légitimité de la résistance iranienne. C'est vrai que nous pouvons nous féliciter qu'après 13 ans de procédure, la justice française vous ait accordé un non-lieu et ait reconnu qu'il n'y avait dans votre organisation aucune pratique ni acte terroriste. Ça fait suite au combat qui avait été mené aux États-Unis, en Europe, en France, sur l'inscription de l'OMPI sur la liste des organisations terroristes. Mais on parle moins des non-lieux qu'on
que des accusations, et je peux le dire pour en avoir discuté avec certains de mes collègues, à commencer par notre présidente de la Commission des Affaires étrangères, qu'une des manières d'ailleurs de détourner les choses, c'est de continuer à stigmatiser votre mouvement ou s'en méfier. Donc il faut continuer ce combat pour la légitimité de la résistance iranienne tous ensemble, et nous le ferons, et vous accueillir ici est une manière, là encore, de le signifier. Et l'autre, effectivement, au-delà du message répété à nos collègues parlementaires sur la condition dans laquelle on peut avoir aujourd'hui des relations avec les pouvoirs politiques iraniens actuels, c'est bien la position du gouvernement français qui doit être maintenue sur deux plans. Ce que nous avions tous salué, ce que vous aviez salué, c'est la fermeté sur le dossier nucléaire iranien, et d'autre part, effectivement, dans la résolution de la situation face à et l'ensemble des peuples de la région.